Ça va, t'es assez isolé là? Putain, je suis au milieu d'un courant, il y a des vagues qui viennent de la droite, il y a des vagues qui viennent de la gauche, il y a des vagues qui viennent de derrière. J'ai jamais vu ça. C'est peut-être une métaphore de la life. Là, t'as l'Afrique, puis là, t'as la Russie, et là, t'as l'Inde, je crois. Pas très bon en géographie, mais grosso modo, on peut. Donc, quand c'est là-bas? Quand c'est là-bas? J'ai suivi Orelsan pendant longtemps, très longtemps. Et j'ai découvert un monde que je pensais inaccessible. J'ai pu rencontrer mes idoles de jeunesse, les mecs les plus marrants de France et mes chanteurs préférés. Interview Stromae, première. Mais ce que je voulais savoir, c'était comment avoir une idée dans la tête et lui donner vie. Je voulais comprendre comment réaliser ses rêves. Dans toute cette histoire, j'ai eu un coup de chance. Orelsan, c'est mon frère. Par contre, je te préviens tout de suite, mais montre jamais ça à personne. C'est pas facile de trouver le point de départ d'une histoire. Notre début, ça aurait pu être là. Le jour où j'ai rencontré Orelsan. Tu es content d'avoir un petit frère, Aurélien? Ouais. Ah ouais, hein? Mais notre histoire commence beaucoup plus tard, le jour où j'ai acheté une caméra pour le suivre. C'est bizarre, j'ai toujours pas si vite. Ouais, je crois qu'elle est bien la caméra que j'ai achetée. Attends. Moi, ça suffit la qualité d'image pour. Sur Internet? Enfin, un documentaire et tout. La qualité d'image, à part dans les vrais trucs, quoi, dans les vrais documentaires de TF1 et tout. Dans son appart, je découvre un monde merveilleux. Tu peux fumer des clopes la fenêtre fermée, manger des pizzas tous les jours, et surtout traîner avec ses potes. Et comme tous les petits frères, je les trouve incroyables, ces potes. Des mecs de Caen qui font du rap. Attendez, ça fait depuis une semaine qu'ils filment dans l'histoire. Tu te fais chier à filmer comme ça, il se passe rien là. Bah ouais, mais. Tu comptes filmer jusqu'à ce qu'on fasse des trucs dans le rap. Ouais. J'en suis persuadé. Ces quatre mecs sont destinés à faire de grandes choses. Gringe. Il aime le rap, mais il a plein d'autres centres d'intérêt. Bah c'est parti pour la première interview de ce documentaire. 12 ans plus tard. Ablaï. Il s'occupe de tout et de tout le monde, mais pour l'instant, il s'occupe surtout de faire la cuisine dans les salles de concert de Caen. Filme ça. Tu sais quoi? Si c'était pas toi, j'aurais pas fait cette interview. Scred. Il a toujours un plan parce qu'il a un objectif, conquérir le monde de la musique. Scred première. Voilà, je sais que je vais détester regarder le truc. Hein, mais... Ah, tu crois? Et Aurel. Je trouve ses chansons mortelles, mais lui n'est jamais content de ce qu'il fait. Je pense que là, ce que je vous ai raconté, c'est le meilleur truc pour faire un doc de merde, en fait. Ok. On va repartir du début, hein. Ouais, c'est Clem. Décris-toi. 1m76, 70 et quelques kilos. J'ai pas spécialement de succès. Je rencontre pas non plus un paquet de meufs. Non, j'ai jamais eu la tchatch, quoi. Ce que je faisais, c'est que je teasais jusqu'à ce que j'ai le courage d'aller aborder une meuf. En fait, le temps que j'ai le courage, j'étais mort, donc je sentais que de la merde, quoi. Y'a pas moyen d'être amoureux tranquille sans toi. T'es amoureux, t'as dit quoi? Tu es amoureux, il me connaît pas. Je sais que je te disais que tu utilises l'humour pour maquiller la galère. Bah, je dirais que t'as tout à fait raison. C'est bon, je suis habitué. Tu peux me filmer tant que tu veux. T'as bu la bouteille, j'en suis là? Non, personne n'a bu dans aucune bouteille.
Aurel, c'est le seul de nous qui a un appart à lui tout seul, comme ça. Donc en fait, on est chez Aurel H24, en fait. Un bordel. Ouais, un bordel immense. Moi, la première fois que je suis rentré chez lui, j'étais choqué. Je voyais des mangas, des jouets, des... C'était... Waouh. Il y a des posters de mangas, il y a un poster de Full Contact, il y a des figurines, il y a des consoles. La vaisselle n'est pas faite, le ménage n'est pas fait, il y a des fringues partout. C'est une chambre d'ado, mais en appart, quoi. Et on a pris un coin sur un mur, on a mis une planche et des tréteaux, on a acheté des enceintes, un ordi, j'ai posé mes synthés et tout. Et puis je fais de la musique là toute la journée. Et du coup, Aurel, il est là, il écrit quand il est chaud pour écrire. Gringer, pareil. Mélange du coca et du sky dans une bouteille en plastique. Je t'emmène vadrouiller dans la ville. On traîne, on tease, on cherche à vivre des histoires fantastiques. On traîne comme si on n'avait pas de but dans la vie. Bah, les parents, ils me mettaient la pression, ils me disaient tout le temps, mais arrête de traîner. Par exemple, ils détestaient Gringe, tu vois. Ils me disaient tout le temps, ouais, c'est un peu un pique-assiette et tout. Je me rappelle, ils disaient ça, je lui disais, ça le faisait marrer. Pourquoi de neuf, Gringe ? C'est à ces temps-ci, je me néglige, parce que j'habite chez ton frangin et je vis dans des conditions minables. Tu peux précaire, mais on s'en sort. Tu peux monter ta chambre, peut-être ? Tu peux faire le tour de mon plumard, si tu veux. Toi, du propriétaire. Voilà. Un mètre carré. Imagine si c'était un type qui filmait, genre qu'on connaît pas, il avait toutes ces images. Ah, bah, c'est stressant. C'est dur, hein ? Ouais, c'est gérer, présent. C'est stressant, ouais. Mais d'ici 2-3 ans, on sera habitué. Aurel et les Gringes, ils sont là, je rentre, ils font rien, tu vois. Ils teasent un peu, ils bédavent un peu, ils font un peu de son, mais c'est lunaire. Ouais. Écoute les dauphins chanter au refrain, écoute. C'est là que j'écoute les premiers sons de mon frère. Ses textes sont fous et j'adore ça. Moi je m'appelle Aurel et j'aime bien chanter dans les micros. De temps en temps j'écris 2-3 vers. J'avance toujours dans la bonne direction mais de travers. J'aime verser, je rêve de percer l'hiver. J'ai des grands-mères à traverser. Envers certaines personnes, je suis un mec sympa. Seul point noir, je traîne souvent avec plein noir. Avec mon frère, on parle jamais de faire carrière dans la musique. À quand il n'y a pas de gens connus? Et des rappeurs encore moins. En fait, le délire, c'est que j'avais absolument pas quoi faire de ma vie, quoi. On a fait des vies, des routines de merde. Putain, tu filmes trop bien, là. Des trucs pas intéressants. C'est clair, ça sert à rien ce que t'es en train de filmer, du fort. Filmer quand il mange. Mais ça intéresse les gens. Les gens veulent ça. Ça intéresse personne. Rapper, je le faisais pour le fun, mais j'y croyais pas du tout. Je trouvais que c'était trop... trop impossible, je vois pas qui allait écouter un mec de Caen qui est pas stylé, qui a pas d'histoire. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. Je peux pas la quitter, pourtant je passe mon temps à cracher dessus. Parler du beau temps serait mal regarder le ciel. Je la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stages.